una donna. Les femmes sont des sœurs pour les hommes. Les hommes sont des frères pour les femmes. Je n'ai ni frère ni sœur, mais seulement des camarades que je chambre et qui me chambrent en m'appelant camarade. Ce qui nous lie, ce qui nous relie, c'est notre volonté de mettre fin à toute cette mascarade. L'égalité des sexes en est une. Nous ne sommes pas égaux, et nous ne le serons jamais, ni en nature ni en fonction. Hommes, femmes, nous sommes différents. Et cette différence est notre plus précieuse référence. Si on l'oublie, on perd toute notre consistance. Camarades, je ne sais pas si vous voyez le genre. On ne peut pas substituer à la lumière naturelle mille et une lumières artificielles. Vous vous en êtes aperçu, je l'espère, que rien de ce qui se fait ne peut nous satisfaire. Ces révolutions sont révolutionnaires, où tout est contingent, plus rien nécessaire. Révolution sexuelle, avec une profusion et donc une confusion des sens, où l'on renie l'évidence, sous prétexte que la femme est un homme comme un autre. Le sexe est simple, c'est le texte qui est complexe. Révolution morale, tous les idéaux réduits à un seul idéal. On se lave les mains parce qu'elles sont sales. On rejette ce qui est banal. On encense ce qui est original. Les copies sont bonnes, mais pas les modèles. Rien ne vaut, tout est faire valoir. Dans le noir, même les blancs sont noirs. Marche funèbre, inéluctable, car on ne peut pas revenir en arrière, ni assurer ses arrières, nos revers sont irréversibles. Nous nous sommes condamnés à être libres, libres et égaux, alors que nous ne sommes ni égaux, ni libres, mais fondamentalement risibles, hein?